إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Frères et sœurs qui ont l'iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec explication nos aqidah à l'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours nous apprenons concernant la shirk. Et nous finissons apprendre que shirk est des catégories, c'est une grande forme de shirk et une petite forme de shirk. Et une grande forme de shirk, à shirk ou l'akbar, les divise en quatre catégories. Et premier, nous finissons apprendre, c'est shirk ou da'wa. C'est-à-dire shirk, quand une personne peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut faire du'a. C'est-à-dire, les faire souvent ibadat et souvent du'a pour une autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande forme de shirk. Nous apprenons deuxième parmi les grandes formes de shirk, c'est shirkul irada. Shirkul irada, qui est aussi connu comme shirkul niya wal qasd. Et ça, il concerne l'intention. Il concerne l'intention. Et qui veut dire ce shirk-là? C'est celui qui peut faire une bonne action avec l'intention pour qu'il y acquérir les autres qui choses apportent pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et pour y acquérir ben, les autres qui choses apportent récompense Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'importe qui celle-là, qui quand il peut faire une ibadat, il peut faire une bonne action, sur l'intention, ce n'est pas pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, mais sur l'intention, c'est pour qu'il y ait les autres qui choses, c'est-à-dire pour les gars qui choses mondaines, avec sa bonne action-là, alors qu'on est qui s'éteint parmi les grandes formes de shirk. Parce que quand nous faisons une ibadat, nous obligeons à faire sa ibadat-là avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala tout seul plaisir. Et nous n'avons pas fait une bonne action, et à travers sa bonne action-là, nous l'intention c'est juste pour nous gagner dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 11, verset 15 et 16, « Man kana yuridu l'hayata dunya wa zinataha » Il dit, « Celui qui voulait la vie dunya et sa beauté, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha » Nous pouvons donner récompense des autres bonnes actions dans sa dunya la même. Nous pouvons donner récompense des autres bonnes actions dans sa dunya la même. Alors, par exemple, si une personne il peut faire un bon travail, si il peut aider ban des monde pauvre, par exemple, c'est un pas une bonne action. C'est un pas une bonne action, aider ban des monde qui pauvre. Une bonne action qui nous besoin faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui il peut faire sa bonne action là, il peut aider ban pauvre, oui, mais sur l'intention, c'est pas pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, non. Mais sur l'intention, c'est pour les gars qui sont modernes pour dire ça. Pour les gars qui sont pour qu'ils soient reconnus comme un démon qui généré, un démon qui compte à donner. Et il y a les autres, l'objectif pour lui, dit tout, peine l'intention pour qu'il y fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. C'est pas à cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une recommande pour nous faire cette action-là qu'il peut faire cette action-là. Il peut pas dire tout même ça, l'intention. Alors ça, c'est pas une grande forme de shirk. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa hum fiha la yubkhasun. Et pas pour diminuer l'un des autres récompenses de sa dunya-là. Et ça, c'est quand même un amal mufassir. Je veux dire que les biens, malgré que les biens difficiles pour un musulman,
quand il peut faire une bonne action, il n'a pas pu faire sa bonne action là pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Mais connaît qui possibilité là est et dans lui. N'a pas pensé qu'il paye dans sa possibilité là. Et à cause de ça même, nous tous, nous connaissons qu'il y a sa dunya là, et dans un kafir, qui se fait une bonne action. Nous pas dire que toute action qui se fait, ce n'est pas une bonne action. Mais il y a une bonne action qui se fait. Mais sa bonne action là, sa kafir là, quand il fait ça, il fait ali pas avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Il fait ali pas avec l'intention pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, mais il y a ban, les autres objectifs pour dire ban bonne action qu'il fait. Dans la même, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait l'injustice avec personne. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait l'injustice avec personne. Sa kafir là, vu qu'il paye dans le tawhid dans lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'ibadat pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Il n'a pas prononcé le kalima la ilaha illallah. Il n'a pas doute que s'il va l'oula, le soukoufre, jour qiyama, il peut dans l'enfer et il peut dans l'enfer pour l'éternité. Mais concernant la bonne action qu'il fait, concernant la bonne action qu'il fait, l'eau, sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il soit l'intention de cette dunya, Allah donne les dunya. Vu qu'il soit l'intention de cette dunya, parce qu'Allah azza wa ta'ala n'a pas fait l'injustice avec personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, comment il peut dire, lui dire, ban qui voulait la vie dunya. Et ce beauté nous pour donner autres récompenses des autres bonnes actions dans sa dunya la même, et pas pour diminuer non, des autres récompenses, c'est-à-dire dans sa dunya. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit, concernant sa bande du monde qui fait action 6 pour dunya. Pas pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, non. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas faire ça avec l'intention pour gagner récompense dans l'akhirat. Il dit, « Oulaïka alladhina laysa lahum fil akhirati illa nar. » Il dit à sa banne-là, « C'est banne qui n'a pas pu être dans pour autres dans l'akhirat, excepté du fil enfer. » Alors, l'intention, comment est important dans nos bonnes actions. L'intention, comment est important dans nos bonnes actions, c'est lui qui sur l'intention n'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire sa banne là, c'est banne qui pas pour un an, pour ce d'akhirat, excepté qui était, excepté différents fiers. Wa habita ma sana'u fiha, wa batilu ma kanu ya'maloun. Il y a tout ce qu'ils ont pu faire dans la dunya. Il y a tout le bon qu'ils ont fait capable de faire dans la dunya, gâté, pendant qu'un valet, et ce qu'ils ont fait là, les vins fausses, c'est-à-dire les vins, bonne action sans valet, qui pas pour aucune récompense pour ça, jour qiyam. Quand ça même, un musulman, tout l'état, il peut prendre compte de bonne action qu'il fait, de bonne l'intention, avec qui l'intention, il peut faire bonne bonne action. Et nous pouvons prendre après, quand nous cause concernant bonne forme de shirk asrar, une bonne petite forme de shirk, nous pourrons cause concernant l'intention encore. Qui est dans sa possibilité là, qui est musulman, malgré qu'il nous dit, en général, il fait action pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Mais il y a sa possibilité là qui, certaines, parmi ces bonnes actions qu'il peut faire, il peut faire ça pour les autres, l'objectif, et ça c'est parmi les formes de déchets. Il ne peut pas prendre ça après, Inch'Allah, quand nous vous cause concernant Ria, quand nous vous cause concernant faire action pour montrer l'isier Timon. Troisième, parmi les grandes formes de déchets, c'est Shirkut-Ta'a. Shirkut-Ta'a. Qui veut dire shirk ut-ta'a? Shirk ut-ta'a, c'est une personne qui obéit à l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala de désobéissance à Allah Rabbul Alamin. De quelle façon? Pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin déclare halal, vin haram, et pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin déclare haram, vin halal. C'est-à-dire, si l'osa dunya là, il y a une personne. Il y a une personne qui, ben, Jimon peut prendre comme une référence. Il est capable, n'importe qui s'en a, un amir, ou bien un imam. Mais sa personne-là, il peut faire quelque chose halal, vin haram, ou bien il peut faire quelque chose haram, vin halal. Si nous obéissons à lui là-dedans,
Là, malgré nous connaît sa action qui peut dire haram là, Allah fin fait halal ça. Et malgré nous connaît sa action qui peut dire halal là, Allah subhanahu wa ta'ala fin déclare ça haram. Alors si quiconque obéit à lui là-dedans, en vérité, il fin fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il fin fait shirk avec Allah azza wa jal? Comment nous connaît droit déclare qu'il soit halal ou bien haram? C'est un droit qui existe Allah subhanahu wa ta'ala ina. C'est un droit qui existe Allah subhanahu wa ta'ala ina. Et nous étant souvent esclaves, nous bisons obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne halal et haram. Quand une personne ne peut accepter pour, ne peut accepter un qui peut déclarer qui peut faire qu'il soit halal vin haram, ou bien haram vin halal, c'est-à-dire qu'il peut accepter qu'il apporte Allah subhanahu wa ta'ala et un lot qui a les droits pour faire qu'il soit halal vin haram, ou bien haram vin halal. Et ça peut être un shirk. C'est shirk si n'importe qui s'en a qui accepté, qui apporte Allah azza wa jal et un lot qui a un droit faire qu'il soit halal vin haram, ou bien haram vin halal, il peut faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il obéit à lui là-dedans, ça aussi c'est un parmi une forme de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah 9 verset 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Il dit, ben là tu prends un prêtre, c'est-à-dire un ban savant et un ban religieux, ce ban moine comme rab apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ça y a de Quran là, pécose concernant ban juif et ban chrétien. Pécose concernant ban juif et ban chrétien. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ban là, je fin prend ce ban prêtre et ce ban djimoun religieux parmi eux, ban qui tient la connaissance parmi eux, je ne prends sa ban djimoun comme rab apporte Allah subhanahu wa ta'ala. De la même qui Adi ibn Hatim, un sahabi, qui était chrétien avant, ensuite il accepte l'islam, quand il finit dans sa ayat Quran, il dit, il finit arrive contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il se lit sa ayat. L'ayat qui tourne sur la Tawbah, verset 31, « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah » ben là, fin prend ce prêtre et ce ban moine comme rab apporte Allah. Le fin temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit sa ayata, il dit allô, lui étant un chrétien, ben qui, il fin accepter l'islam après, mais l'icône concernant sa religion qu'appelle christianisme, il dit à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pas tu peux faire autre ibadat. Nous pas tu peux faire autre ibadat. C'est-à-dire, il peut dire, il peut demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben nous, à aucun moment, quand nous sommes chrétiens, nous pas tu peux faire ibadat, ben prêtre parmi nous. C'est-à-dire, comment ça y a le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il ben là, fin prend autre prêtre comme ben, comme rab apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit avec Adi ibn Hatim, il dit, est-ce qu'il ban là, c'est-à-dire sa ban prête là, est-ce qu'il ban là pas tu peux faire quelque chose qui Allah fin fait halal, fin haram, et alors, je tu peux obéir à lui, là-dedans, je tu peux faire lui, fin haram, ensemble avec lui, est-ce qu'il ban là pas tu peux faire quelque chose qui Allah fin fait haram, fin halal, et alors, je aussi je peux faire lui, fin halal, les autres. Est-ce que je peux pas obéir à sa bande prête-là dans quelque chose qui, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux faire une halal ou bien haram? Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, les répond, il dit bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est ça, ibadat pour ban. Alors, Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, il peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle pour ban comme rab, qui nous parle pour ban comme rab, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y pémine pour ça, c'est-à-dire, ben, ibadat, nous pas tu peux faire ibadat pour ça, ben, prête-la nous. Et ça, c'est un
Parmi les grandes preuves qui montrent nous, chers frères et sœurs qui sont dans l'Iman, comment nous dire, dans nos explications précédentes, que cher, ce n'est pas juste un démon, limite un idole devant lui, il adore sa idole. Oui, ça, c'est un peu une forme de cher. Mais est-ce que cher veut dire juste ça même? Est-ce que cher veut dire juste ça même? Un démon, limite un idole devant lui, il adore lui? Cher, ce n'est pas juste ça qu'appelle cher. Mais cher, les plus qui sont encore. Et d'ailleurs, plaisir et encore beaucoup de formes de shirk qu'un musulman lui besoin prendre concernant ça et de reçoit de ça. Et parmi les formes de shirk que nous pouvons prendre là, c'est l'obéissance à un autre apôtre Allah subhanahu wa ta'ala d'abord qui chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin déclare halal ou bien haram. C'est-à-dire l'obéissance d'un autre d'affaire qui chose bien halal ou bien haram apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est grave et qui nous besoin prendre compte. Bien à doute, chers frères et sœurs qui sont iman, qui Allah subhanahu wa ta'ala et ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous font d'une valeur à ban qui n'a connaissance. Ban qui n'a connaissance, ban savant, ban ulama, zut ena, zut place de sa dîne, zut ena, veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant zut dans le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant zut dans plusieurs hadiths. Mais seulement à aucun moment, comprends ça bien, à aucun moment, Allah subhanahu wa ta'ala pas nous dire nous suivre, ban qui n'a connaissance aveuglément. Malgré qu'il peut contredire le Coran, malgré qu'il peut contredire le Hadith, nous pouvons continuer à obéir à lui-même. Il peut faire qu'il soit halal, vin haram, il peut faire qu'il soit haram, vin halal. Nous pas prendre compte, nous continuons à obéir à lui-même. Non, mais ça, un tel ça, il ne peut pas embêter nous. Mais ça, un tel ça, ce parole sacrée. N'a pas vu une bande qui exagérée concernant bande savant concernant bande jimon pied parce que c'est ça même qui détruit bande ummata qui fin détruit bande ummata avant et ça c'est un parmi une forme de déchir. Oui, bande savant, bande ulama c'est un référent, mais ça aussi c'est bande ulama digne de confiance parce que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala bande ulama digne de confiance c'est pas bande qui pouvait embêter nous concernant halal et haram par paix mais Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'a pas suivi elle qui les peut dévier tout en bas là-haut, les peut faire qu'ils soient halal, bin haram, faire qu'ils soient haram, bin halal, et nous peut continuer à obéir à lui, qui fait, parce qu'il y a tel indice. Par exemple, et non, fatwa, ce n'est pas un petit pourcentage d'intérêt permissible. Et quand nous retournons vers le Coran, quand nous retournons vers le Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamne l'intérêt totalement. Dire de hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dirhamu riban. Un dirham riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause beaucoup lui. Un dirham riba, lui dire le plus grave qui 36 fois zina. Un dirham riba. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un petit pourcentage de permissible. Et à cause nous, qui avons l'avantage là-dedans, nous prenons fatwa là, nous comptons fatwa là, nous allons l'avant avec, nous commençons à dire avec l'intérêt, ensuite nous servir un tel. Nous servir un tel comme référence, non, un tel finit à permissible ça. Et qu'Allah, sur la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, finit condamne ça, les graves, c'est tel parmi les formes de shirk qui est capable de faire nous perdre nos iman. Et ça, c'est un parmi les différences qui nous besoin comprendre, nous besoin cause concernant ça. Un démon, s'il peut faire un PC, s'il peut faire un PC, et qu'il y admette ce qu'il peut faire là, c'est un PC, il y a doute qu'il y a un PC. Mais lequel qui est plus grave, ce qui nous permet de faire comprendre, lequel qui est plus grave, mon faire un PC, mon faire un PC, par considérer comme un PC, c'est-à-dire, moi, d'accord qu'il y a un PC, mais seulement une faiblesse dans moi, mon PFL. Et un autre, il peut faire un PC, pas considérer lui, qui est halal pour faire lui, parce qu'il y a un tel indien qui est permissible pour faire lui. C'est quelqu'un qui est plus grave. Comprends ça bien? Il y a deux dimons. Un là, il peut faire un PC, avec la conception que ça, c'est un PC.
Les Dako, c'est un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fiali, fin défani fiali, mais par faiblesse iman, l'intum de sa péché là. Mais si vous demandez, ou bien si vous conseillez, déjà oui, moi admet, ce qui m'a préféré là, c'est un péché, Inch'Allah, mon prophète Taouba. Ça, c'est un djimoun, une qualité djimoun qui fait péché. Une deuxième qualité djimoun, c'est un djimoun qui préfère un péché. Avec la conception qui s'acquitte sur sa péché là, les permissifs pour faire à cause d'un tel indire qu'il est permissif pour faire. Alors, faire attention. Deuxième là, grave. Deuxième là, nous dit, si nous avons la conception, si une personne a la conception qui s'acquitte là, il est permissif pour faire à cause d'un tel indire qu'il a un droit de faire. Malgré qu'il pas faire péché là, les plus graves qui s'acquitte des gens qui peuvent faire péché avec la conception qui s'est un péché. Comprends ça bien, ben frère, ben sœur qui est iman. Si une personne a la conception qui tel péché est permissif pour faire cause un tel, fin dire qu'il est permissif pour faire, malgré Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne sa action là. Malgré il pas faire péché là, malgré il pas faire péché là, c'est mal accepté à cause qui un tel fin dire permissif, il dit non halal pour faire lui. Malgré il pas faire péché là lui. Les plus graves qui sont des gens qui peuvent faire péché avec la conception qui c'est un péché, c'est une chose qui est haram, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait condamner. À cause ça même, la conception, c'est qui nous croit. La conception, et ben, erreur qu'il y a dans la conception, les plus graves qui ben, erreur qu'il y a dans nos ben, actions. Les beaucoup plus graves qui ben, erreur qu'il y a dans nos ben, actions. Parce que, quand on nous dit, sa conception-là, c'est ça même plus important, ça. Un démon peut faire un PC avec la conception que c'est un PC, mais la doute qu'il peut faire un PC. Mais un démon peut faire un PC avec la conception qu'il est permissible pour faire les halal, pour faire les, ça n'a pas plus grave, même s'il n'est pas fait un PC là, mais il y a la conception qui gagne droit à faire les à cause d'un tel, peut dire gagne droit à faire les, ça n'a pas les plus graves. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, il n'est pas fait une bonne suivi avec pour personne, et la réalité est devant nous. Nous tiens même bonne, Oulama, digne de confiance, c'est pas ban, ma'soum. C'est pas ban, pena personne qui ma'soum. Tout le monde qui a fait rire. Même un alim qui dit de confiance, il n'a pas fait certaines ban, ban et rire. Ce qui est important, c'est, faudrait pas nous suivre un alim aveuglement. Et les moments qui nous connaissent, qui sont paroles, quand nous dit tout le monde qui a fait rire, les moments qui nous connaissent, qui sont paroles, il y a contradiction avec parole Allah. On met avec parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, faudrait pas nous continuer à suivre là-dedans. Qui nous référence? Non, à cause d'un tel indice. Mais un tel n'est pas marsoum. Un tel n'est pas une révélation. Faudrait pas nous venir comme un juif et un chrétien. Tout ce qui, pour dire nous, nous pouvons obéir malgré qu'il nous peut connaître ça qui s'osa. Pas un droit à faire, pas un droit à faire. Alors, qui nous fait attention? Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, on t'a à lui dire. Celui qui suit ben ulama et ben amir d'en faire quelque chose qui Allah fin fait halal bin haram et faire quelque chose qui Allah fin fait haram bin halal li fin prend ben la comme rab à part Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, une grande forme de shirk, c'est shirk ul mahabba. C'est shirk ul mahabba. Alors, qui veut dire shirk ul mahabba? C'est qu'il y a une personne qui compte un lot à part Allah subhanahu wa ta'ala. De façon qu'il est bizarre qu'on existe Allah Rabbul Alamin, c'est-à-dire l'amour qui est possible pour qu'il est humilié et l'obéir. C'est-à-dire sa qualité, l'amour là, qui s'en a qui mérite ça de nous pas, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour qui fait nous humilier nous devant lui, l'amour qui fait nous obéir et soumettre à lui, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ça l'amour là de nous pas. Apport Allah Azza wa Jal, il y a personne qui mérite ça l'amour là de nous pas. Et n'importe qui s'en a qu'il y a dans sa qualité l'amour là. N'importe qui s'en a qu'il y a dans sa qualité l'amour là. Pour un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, il peut faire shirk avec Allah azza wa ta'ala. Et sa l'amour là, c'est-à-dire nous comptons Allah à cause de Allah. Nous comptons Allah à cause qu'il est, à cause qu'il est Allah. Salam ou la, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ça de nous pas. Et
Nous ne traversons pas là. C'est ben, l'amour naturel. Par exemple, un monsieur compte sur madame. Une maman et papa compte sur les enfants. Les enfants comptent maman, comptent papa. Nous comptons nos proches. Ça, c'est les parents de ça. Les parents de ça, c'est un amour naturel. Parce que qui fait nous comptons, nous madame, qui fait nous comptons nos enfants à cause qui c'est nous madame, c'est nos bonnes enfants. C'est-à-dire, ça, l'amour-là, il y a une raison. Mais là aussi, c'est pas un amour. Par exemple, je ne suis pas capable de compter mes enfants une qualité content qui me soumet à tout ce qu'il dit à moi. Ou bien me humilier moi à Ali, qu'il soit mon madame, mon enfant, mais n'importe qui s'en là. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit à moi, je suis obligé de me reconnaître ce qu'il peut dire à moi, il n'a pas. Bon. Donc, sa qualité l'amour-là, connaît qu'il saisisse Allah, subhanahu wa ta'ala, qui mérite ça. Et ça, c'est l'amour-là, quand il y a parmi les insans, il développe ça. Pour que les autres apportent Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la même qu'ils ont fait faire shirk avec Allah, Rabbul Alamin. Par exemple, l'amour pour ban wali Allah. Avec exagération, bien sûr. Parce que wali Allah, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, dit Allah, inna awliya Allahi. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et bien, ban awliya Allah, ban wali Allah, c'est ban qui peut aucun affrayer aux autres et c'est pas ban qui poussa sa gré. Mais, c'est nous peut cause avec exagération. Nous pas capables, et là, l'amour pour celui que nous considérons comme wali, comme pied, une qualité, l'amour qui existe, Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ça, l'amour là de nous pas. Et tout ce qu'il dit à nous écouter. Tout ce qu'il dit à nous écouter jusqu'à même. Une façon, nous, combien de gens humiliés devant sa bande, qu'ils sont contents, pareil, comment de se poser contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, fais attention contre sa exagération-là. Et dans la même, vous trouvez la gens, si tu as une contente, celui qui les considère comme wali, celui qui les considère comme pire, finalement, il peut accepter faire ça zaba pour ça tout le monde. Il peut accepter faire zaba un animal, le nom ça tout le monde qui tout ça là c'est une forme de shirk, comment on dit, c'est ça, sa quatre forme de shirk akbar la même qui pousse tout le monde pour faire une action pour savoir les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Et un parmi c'est quand un, l'incontent l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est supposé contre Allah. C'est la même qui a accepté de faire tout sa bonne ibadat, tout sa bonne action là, pour sa dîmouna. Parce que, qui fait, chers frères et sœurs, qui fait, nous fait autant de sacrifices. Qui fait, ben, musulmans, nous fait autant de sacrifices. Qui fait, quand nous apprenons, Allah subhanahu wa ta'ala finit de faire telle action. Qui fait, nous fait sa action. Qui fait, nous peut faire des efforts pour qu'il nous fasse sa action. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala finit de faire une obligatoire ou non, pour nous faire un mansfadjar. Qui s'en a parmi nous, qui n'est pas content de dormir dans Mansfad. C'est ça, l'air, l'air, façon. Ce qui s'en a parmi nous, n'est pas content, qui s'en là, il dormit. Parce que la réalité, il est devant nous. Nous, dans plein sommeil, parfois, comme nous-mêmes, nous avons témoigné, c'est un moment qui, comment dire, nous plus apprécier nos sommeils. Dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala fin demande nous pour qu'il nous lève pour nous le faire, soit la tout le fait. Qui chose qui fait nous lever salaire malgré qui pareil comment il y a beaucoup de monde dormi nous aussi nous avons envie de dormir salaire mais seulement qui fait nous lever pour qu'il nous en fasse salat al fajr nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala quand nous compte Allah nous accepter pour sacrifier nos désirs sacrifier ce qui nous content à cause Allah subhanahu wa ta'ala c'est nous l'amour pour Allah azza wa jalla qui fait nous faire ça. Fais ce sacrifice, ça fait nous humilier, nous fait nous obéir. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous soumettre devant Allah. Mais malheureusement, comme nous dit Enadjimon, on met tout qui chose qu'Allah content. Ça ne pas faire l'effet devant lui. N'est pas accepté, n'est pas disposé pour lui soumettre, n'est pas disposé pour lui humilier à cause Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'est dit à lui un tel, il dit telles affaires. Ne dit à lui un tel, fin de dire telles affaires, pour l'amour qu'il y en a pour un tel, de disposer faire. Mais ça grave. Parce que c'est l'amour-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite
qui mérite. Là-même, comme nous dire, autour de lui, il fait beaucoup ban actions qui existent. Allah subhanahu wa ta'ala a mérité. Il a fait sa bonne action là pour ban les autres. Apod, Allah Rabbul Alam, qu'il soit sajda, ruku, et faire vélo, le sonon, ou soit faire tabac, le sonon, et ban les autres actions qui disent, faire pour ban les autres. Apod, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla dit, dans Surah Baqarah, verset 165 à 167, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا Et parmi les gens qui prennent la porte d'Allah, ils égal. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ Je compte à la porte comme je compte à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, azza wa ta'ala, peut condamner ça. À la fin, il dit, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ Saban qui compte à les autres, pareil comme les autres supposés, compte à Allah, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Saban là, c'est des bannes qui ne prennent pas égal à Allah dans l'amour. C'est des bannes qui ne comptent pas les autres. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala de la façon que tu puisses exister contre Allah, Rabbul Alamin. Il dit, Saban n'a pas pour sortir depuis différents enfer. Alors, compte à l'autre. Apporte Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qui puisse être contre Allah. Et comment nous compte Allah? Nous compte Allah de la façon qui bah, nous dit, nous disposer pour soumettre à tout ce qu'il est fait au-dessus de nous, nous disposer pour nous. Pour nous humilier, nous, devant Allah subhanahu wa ta'ala, le connaît qui sera moula, saisisse Allah azza wa jalla qui mérite ça, de nos pas. Alors, par ça, alhamdulillah, nous finissons terminer explication concernant les quatre grandes formes les quatre formes des grands shirk, le shirk majeur, le shirk akbar. Inch'Allah, à partir de demain, nous commençons à prendre concernant les petites formes de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah azza wa jalla prenne la vie. Dans l'état qui est satisfait avec nous et de ne pas prendre la vie dans l'état qui est en colère avec nous. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.